Bonsoir. Icône du football ivoirien, Didier Drogba est en lice pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Hier, le footballeur international s'est vu refuser le soutien de l'Association des footballeurs ivoiriens. Que pensent les Ivoiriens de ce revers que suit Didier Drogba? Nous avons recueilli leur avis dans notre micro-trottoir. Depuis quelques années, le football ivoirien est à la traîne. Les matchs du championnat national se déroulent devant des gradins quasiment vides. Les joueurs locaux ont du mal à joindre les deux bouts et les sponsors ne se bousculent pas aux portes de la fédération. Quelles sont les solutions pour redynamiser le football ivoirien? Ce sera le sujet de notre petit débat. Vous l'avez certainement compris, l'émission du jour sera portée sur le ballon rond. Et pour en parler, nous avons avec nous Cyril Domoro. Il est président de l'Association des footballeurs ivoiriens. Et Goïbi Sirak, lui, est international ivoirien. Six jeux d'actualité. Échanges enrichissants, questions pertinentes, l'actualité comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Et pour parler de tous ces sujets-là, il y a, comme tous les soirs, la The Team, mais très colorée, hein, je tiens à le dire ce soir, très très colorée. Je sais, vous vous dites, ah tiens, la veste est de retour. Oui, la veste est de retour, je tiens à vous le dire. Mais bon, après, vous aurez noté qu'on a la possibilité d'évoluer dans la variété. Sur ce, bonsoir Serge Kouachi. Bonsoir Brice. Tout se passe bien. Bonsoir. Oh, j'aime bien le bonsoir. Non, non, mais en fait, ce que les gens savent, c'est que moi, ils m'ont un peu chambré hein, pendant le monologue tout à l'heure. Israël Guébo, avec la chemise rose. Non, je parle que des couleurs aujourd'hui. Je me suis... Bonsoir Brice, avec ta chemise bleue. Exactement. Edith Broubleu est en rouge. Pas de bleu ce soir. Ouais. Juste avec le nom. Un rouge flamboyant, juste le nom. Rouge flamboyant. Oui. Un autre Shine Shine Maison, c'est Sophie Aïda avec son sourire. Bonsoir Sophie, comment ça va? Hello Brice. Ça va très très bien. Blue, blue tonight? Blue tonight. Yeah. Shine Shine. Ok, always shine shine. Avec Sophie, de temps en temps, vous mettez un petit truc en anglais dedans. Toujours. C'est très, très bien. Alors, avec vous, on va décortiquer, commenter l'actualité. On l'a dit tout à l'heure, on parlera beaucoup de football. Mais il n'y a pas que le football. On va faire un petit tour de l'actualité d'ici d'ailleurs. C'est tout de suite dans le Live Actu. Et notre tour de l'actualité est fortement marqué par le début des obsèques du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Retour avec vous, Israël Guébo, sur cette journée d'hommage. Oui, Brice, une journée remplie d'émotions, beaucoup d'émotions. Une journée où la nation a voulu rendre hommage à l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Une journée où il foulait pour la dernière fois la maison de la présidence. Une journée qui a été marquée également par, au-delà de la Côte d'Ivoire, des personnalités qui sont venues d'ailleurs. On a vu le président sénégalais Macky Sall, on a vu le premier ministre burkinabé, pour ne citer que ces deux-là. On a vu également toutes les forces de défense et de sécurité qui ont rendu un hommage à Amadou Gon Coulibaly. On a surtout été marqué profondément par ces trois discours, notamment celui de la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, qui a parlé d'un ami, d'un collègue, d'un proche, d'un patron. Il y a aussi eu le discours du secrétaire général de la présidence qui a révélé, en fait, relevé surtout la loyauté, la détermination, mais surtout un proche, un confident, un fils aimé et choyé du président de la République. Et puis enfin, ce discours-là qui a également, j'ai vu les retours sur les réseaux sociaux, qui a marqué tout le monde, celui de la grande chancelière Ingrid Diabaté, qui a appelé les jeunes, les vieux, les femmes, les hommes, qu'ils soient du sud ou du nord, à être habités de la sagesse. Elle a dit « puisse la sagesse nous inspirer ». Donc c'était vraiment une cérémonie très riche en émotions et puis elle se poursuivra encore dans les jours qui viennent. – En tout cas, on aura l'occasion tout à l'heure de donner la suite du programme de ces obsèques. Et une autre présence qui a retenu l'attention, c'est celle du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. On en parlait avec vous, Edith. – Oui, effectivement, Jean-Yves Le Drian s'est rendu en urgence à Abidjan et il n'a pas pu assister finalement aux festivités du 14 juillet qui se tiennent aujourd'hui. Il a rencontré hier, lundi soir, le chef de l'État pour échanger avec lui. Aucune déclaration n'a fuité, surtout après plus d'une heure d'échange. Mais ce qu'on peut retenir, et ce que j'ai pu retenir du compte Twitter de la présidence ivoirienne, c'est que Jean-Yves Le Drian était porteur d'un message
au président de la République et suite au décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ben justement, le fait que rien n'ait fuité, ça ouvre la porte à de nombreuses spéculations. Beaucoup d'interprétations, oui. De nombreuses spéculations. Pourquoi en urgence? Pourquoi à ce moment? Pourquoi maintenant? Mais il faut noter qu'il y avait également la cérémonie d'hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il faut retenir que c'est peut-être un symbole fort, hein, quand même, oui, bien de déplacer le ministre, alors qu'il y a les festivités, Du 14 juillet. Et il représentait, il était porteur du message, comme je disais, du président Emmanuel Macron à son homologue. En tout cas, vraiment un moment fort, hein, je veux dire, avec de fortes symboliques, notamment les larmes de... la ministre Candia Camara, et aussi ce discours très poignant du chef de l'État lors de la remise de la distinction, de la dignité, c'est ça, distinction. Grand croix. Grand croix. Le sentait très affligé aussi. Très affligé. C'est un discours en principe qu'il n'aurait pas dû faire. C'était à la grande chancelière de le faire, mais on a senti qu'il tenait à le faire. Il a perdu un ami, un collaborateur de longue date. Et juste après, dans le protocole, voilà, la grande chancelière de le faire. Et juste après, on a senti l'homme très affligé qui avait même du mal à s'éloigner de la dépouille mortelle, et c'était vraiment très affligeant, et beaucoup d'émotions en tout cas. Beaucoup d'émotions et beaucoup de personnes aussi, il faut le souligner. Oui, parce que là, il faut qu'on en parle un tout petit peu, parce qu'on s'est un tout petit peu interrogé sur le nombre de personnes, sur les mesures barrières, sur toutes les dispositions sécuritaires qui ont été prises. Oui, surtout que nous sommes encore, j'ai pas entendu lors du dernier Conseil national de sécurité que la mesure qui restreignait à 50 personnes les rassemblements avait été levé. Exceptionnellement. Mais même. Oui, c'est vrai qu'on a de tout cœur, je veux dire, on compatit, mais bon, j'étais un peu surpris, moi, de voir autant de personnes, surtout resserrées. C'est vrai, tout le monde portait son masque. Malgré les masques, oui. Ouais, Non, mais je suis tout à fait d'accord avec Israël, d'autant plus que c'est véritablement le sujet d'actualité en ce moment, à côté du fait que tous les Ivoiriens soient tristes pour cette grande perte de la Côte d'Ivoire. Mais ça ramène à la question qui est la suivante. Le lendemain, justement, de la décision du Conseil national de sécurité de garder et de maintenir l'état d'urgence, de lever la restriction de mobilité, donc on peut sortir d'Abidjan aujourd'hui, aller à l'intérieur du pays. Mais voir ce genre de rassemblement où on a des personnes qui nous arrivent de partout, où on a toutes les caméras du monde, on voit effectivement qu'on porte des masques, mais on ne respecte pas forcément les mesures barrières. On aura demain un grand rassemblement, on a vu au Palais des Sports, où on a vu des images de disposition où les chaises, effectivement, sont disposées à plus d'un mètre, mais quand vous aurez du monde, combien de personnes seront rassemblées alors qu'en principe, on est censé être limité à 50, on se demande, mais pourquoi est-ce que jusqu'ici, ça va faire bientôt 4 mois que certaines personnes, notamment des propriétaires de bars, qui peuvent, eux peuvent, et ils n'arrêtent pas de l'affirmer d'ailleurs, respecter les mesures barrières à 50 personnes maximales dans leur bar. Pourquoi est-ce qu'ils sont fermés depuis 4 mois? Pourquoi est-ce que dans les salles de cinéma où on peut respecter la distanciation, on les a toujours fermés? Donc c'est des commerces qui sont fermés, c'est des familles qui sont sans boulot et sans revenus depuis 4 mois. Ouais. À un moment, je pense que quand on voit ce genre d'image-là aujourd'hui sur toutes les télévisions internationales, on est à même de se poser la question quand on est ivoirien, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne fonctionne pas bien? Parce qu'on dit, en fait, les mesures barrières sont peut-être complémentaires, ou elles sont individuelles. Quand on a le masque, on peut peut-être éviter d'être très proche, ainsi de suite. Mais bon, en même temps... Après, c'est très juste. Le Conseil national de sécurité a décidé, après l'avis du comité scientifique, et je vais citer que ça, du contrôle systématique du port du masque dans les véhicules et les lieux publics, ainsi que l'application des mesures coercitives définies par décret. Donc, à un moment... D'accord. Ouais. On comprend qu'on se pose des questions. Hein. Au-delà de l'émotion, il faut se poser des questions. C'est d'ailleurs ce que nous a fait ce soir M. Serge Kouachi. Voilà. Une grande interrogation que les Ivoiriens se posent. Donc, je pense que nous sommes là sur cette télé sans filtre pour représenter justement tout ce qui se dit tout bas. Donc effectivement, oui, je prends cette responsabilité de poser la question au nom de tous les Ivoiriens. Pourquoi ? C'est la question. C'est pourquoi la question. Ça marche. Bon, alors à Madagascar, on se pose des questions également. Covid organics, mais attention, ça commence un tout petit peu à craindre, Sophie Aïda. Oui, alors. L'île doit-elle s'inquiéter? Alors, est-ce que l'île doit s'inquiéter? Les avis sont partagés, mais c'est vrai que ces derniers jours, les décès de personnalités dans le pays ne font que se succéder. Le 12 juillet dernier, c'était un représentant de l'UNICEF qui décédait à seulement 51 ans. Deux semaines avant, c'était un médecin de l'OMS. Et puis le 12 juillet, donc dimanche dernier, le président a annoncé le décès de deux parlementaires à la télé nationale.
et puis a rajouté que 14 personnes au niveau du Sénat sont infectées du virus, de coronavirus, et 11 personnes à l'Assemblée nationale. Donc le but en fait de son intervention, c'était vraiment de pouvoir rassurer les populations, rassurer les inquiétudes de personnes qui voilà, se posent des questions justement, mais aussi de parler de cette stratégie de riposte thérapeutique. Mais il faut reconnaître que les hôpitaux de la ville du pays sont aujourd'hui débordés. Ils ont un véritable manque de matériel médical, et puis ben, la flambée des cas ne rassure pas du tout face à la dite stratégie. Assez rapidement, je sais, vous êtes en général le parent pauvre, vous l'avez dit tout à l'heure. Les gens se posent des questions, justement, ils se disent, mais qu'en est-il de Covid organique? Ça marche, ça ne marche pas? Comment ça se fait? Oui, alors juste pour rappel, on va juste se souvenir que le 20 avril dernier, le président donc malgache André Rajoelina a lancé la commercialisation donc, de ce remède hein, Covid organique à base de plantes d'Artemisia, censé prévenir et guérir le coronavirus. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas trop faire le lien pour l'instant entre les cas qui flambent et le Covid organique. Peut-être que ceux qui sont dans cette situation n'ont peut-être pas consommé. C'est ça. En fait, okay. On peut. Le remède est en vente libre. Donc, c'est difficile de recenser. Je trouve qu'il y aurait aussi vite pris faisant croire que le fait qu'il ait fait la promotion avec fierté de son remède. Ça. Puisse être lié à ces décès, ces différents décès. Voilà. On a différents remèdes pour d'autres maladies comme le paludisme, même pour la grippe, il y a des morts également, des personnes qui meurent de la grippe. C'est ça. Pourtant, ils ont des médicaments. Pourtant, il y a des traitements, il y a des vaccins. Okay. Après, donc, on va retenir qu'il n'y a pas forcément de lien. Pas vite de mais en tout cas, ils tirent sur la sonnette d'alarme. En tout cas, à Madagascar, ils ont décidé d'ouvrir l'œil et le bon concernant la lutte contre voilà, oui, le de l'OMS. Vous pensez? Ça sera une autre question. Je vous promets, ça sera une autre question. On aura l'occasion d'en parler. Merci beaucoup, Sophie Aïda. On va fermer maintenant cette page d'actualité. C'est l'heure du petit débat après une courte pause. Des gradins presque vides, de faibles rémunérations pour les joueurs, un total désintérêt du public ivoirien. Bref, le football ivoirien va peut-être, je dirais pas, va mal. En tout cas, fini la belle époque des derbies à Sec Africa, qui drainaient des foules, qui captivaient tout le pays, moi-même, je dis, bon, enfin bref. Que faire pour que le football ivoirien renoue avec l'enthousiasme? On en parle maintenant dans le petit débat. Chers amis, constat, le football d'avant, de maintenant, les gens s'intéressent un peu moins, on est d'accord? Moi, je pense que je me rappelle en fait des petits souvenirs qui me reviennent en tête de ces matchs quand j'étais petite, 10-12 ans. J'entendais mes parents qui étaient connectés à la télévision. On entendait un peu le tumulte dans la ville, assez comme tu le disais, Sec Africa, le derby. On sentait qu'il y avait cet engouement-là, en tout cas à l'époque. Et je pense qu'il y a certainement eu une cassure après la génération dorée de Kader Keïta, Yaya Touré, Didier Drogba. Un désintérêt s'est ensuite fait sentir pour tout ce qui concerne les championnats de ligue et le championnat même local. Messieurs, je vais vous poser la question. Selon vous, qu'est-ce qui est la base de ce manque d'intérêt? C'est très sexiste comme question. Mais oui, messieurs. Parce qu'on parle de football, messieurs. Totalement sexiste. Encore heureux que ce soit une dame qui a donné le premier point de vue sur la question. Alors non, je pense qu'aujourd'hui, il y a véritablement le fait que le niveau lui-même est en baisse. On a connu de grands noms. Moi, j'ai encore en mémoire des Kassi Kwadjo, Gadji Sili. Pardon si je cite les noms de ce club, c'est des gens que je connais. Et, il y avait Mongei aussi. Voilà, on va citer l'autre club, Et on a bien vu comment le niveau de jeu a dégringolé, mais c'est aussi parce que derrière, je pense, les clubs n'ont pas forcément suivi. À part, bien sûr, le club de l'ASEC qui tient encore la barre. Aujourd'hui, on a vu comment tous les autres clubs ont dégringolé. Donc forcément, si les spectateurs ne voient plus du bon jeu, ils n'ont plus envie forcément de se rendre dans un stade pour regarder du football. Donc forcément, il y a une répercussion sur l'environnement du footballistique. Alors moi, j'ai un regard qui est sensiblement différent. Je me dis qu'effectivement, il y a eu une cassure. Bon, mais même, elle date même d'avant la génération dorée de Didier Drogba, parce que eux, c'était en international qui brillait. Mais à cette époque-là, également, les gens allaient difficilement au stade. L'époque dont tu parlais, lorsque tu étais toute petite, je pense, c'était dans les années 90, où on avait encore de grands derbies en Côte d'Ivoire. Mais je pense que depuis le début des années 2000, voire depuis quelques années en tout cas, depuis que le championnat de Ligue 1 de Côte d'Ivoire est retransmis sur le câble, le niveau de jeu
s'est amélioré. Ça, c'est récent. Hein. Très franchement, c'est très récent. Le niveau de jeu s'est amélioré parce que bon, bah, ces joueurs-là qui souffraient d'un manque d'exposition aujourd'hui se rendent bien compte qu'ils ont un atout, c'est qu'ils sont, ils sont visibles visibles à l'international, donc pour les recruteurs. Et ils se donnent à fond. Maintenant, comment faire justement pour que les gens se rendent compte que le niveau en vaut la peine pour aller vers les stades? Ça reste un gros travail de la fédération au niveau de la communication sur les matchs. J'ai envie de dire, est-ce que l'intérêt des gens n'est pas détourné aujourd'hui du football? Parce qu'à l'époque, c'est vrai, il y avait le football au moment des Cassi Quadio, c'est oui, ça oui, c'est et ça. Mongei Gei pour faire l'équilibre. Gali, c'est lui. Mais aujourd'hui, Gal qui reçoit, bon, tout ça c'est de la SEC quand même, faut le dire. Parce que c'est de ça qu'il s'agit sur ce plateau, faut le dire. Ils sont en train de citer que des joueurs de la SEC, mais il y a des joueurs de l'Africa, voilà. Mais en fait, je veux dire, aujourd'hui, les gens ne s'intéressent-ils pas plus à la politique, un peu plus, les questions de politique ne les intéressent pas. Je vais peut-être te rappeler, il y a des mois en arrière, on a vu tout cet engouement qu'il y a eu sur le derby à SEC Africa qui a ressurgi parce qu'il y a eu cette communication, ce marketing qui a été mis en avant. C'est vrai qu'entre l'engouement sur les réseaux sociaux et ce qu'il y a eu dans les grades, différence. Il faut préciser que la fédération n'a pas fait grand-chose pour ce engouement. C'est ça. Il est venu tout seul. C'est ça. Et donc je pense que derrière, il y a, on n'est pas détourné par la politique. Il faut juste ramener au goût du jour cette envie de cette confrontation jaune-noir vers rouge. Justement, pour... je pense qu'il faut rapidement investir surtout dans le merchandising. Quand je dis merchandising, c'est les produits dérivés. On le voit dans les clubs internationaux, dans les championnats internationaux, pour Chelsea ou d'autres clubs comme le FC Barcelone. Tout ce qui tourne autour du merchandising et du sponsoring rapporte de l'argent. Oui, donc, on va revenir. Je pense que pour en arriver au niveau du merchandising, il faut déjà une restructuration au niveau des clubs. Il faudrait déjà un professionnalisme. Et il y a une loi qui a été mise en place par rapport à ça, qui normalement recommande aux clubs, aux associations sportives, parce que c'est des associations, de s'associer ou de créer des sociétés sportives pour pouvoir justement gérer tout ce type de... Je pense que la SEC en est en train de les avoir. Cette vision-là. Maintenant, c'est vrai qu'il y a plusieurs clubs qui n'ont pas encore adhéré à cette loi, mais s'ils le font, justement, cette structuration professionnelle attire les investisseurs, les sponsors locaux ou internationaux. Je suis désolé, Brice, je suis vraiment désolé, mais la SEC est une référence à ce niveau-là. Et on a bien vu cette belle génération. Non, ça n'a rien à voir, mais on a vu justement l'Académie Mimosifcom, qui a fait rêver tous les Ivoiriens, simplement parce qu'à la base, il y a eu de la formation. À la base, il y a eu beaucoup d'investissements et une belle formation qui a fait rêver tout le monde. Donc, voilà. Est-ce que c'est parce qu'il y a une fuite également des talents à l'extérieur? C'est vrai qu'il faut ça a toujours été comme bien ça. Vendre. Le but, c'est ça. Le but, c'est qu'il brille au local pour pouvoir s'extérieur. Mais avant on savait aussi qu'on faisait, on avait la chance de faire venir des joueurs de l'international pour pouvoir nous rejoindre. Parce qu'il y avait des Yekini Rachidi qui jouent à l'Africa Sport, j'insiste là-dessus, encore une fois, qui redonnaient en tout cas un volet à la limite quasi international. Aujourd'hui, on a un championnat local, mais très très local. Que justement, ces joueurs-là préfèrent partir à l'international parce que les structures ne sont même pas adaptées pour eux. Il n'y a pas beaucoup d'argent dans notre championnat. Oui, mais il n'y a pas d'argent. Pourquoi? Mais il n'y a pas d'argent parce qu'il n'y a pas de structure. Aujourd'hui, si ce sont des associations sportives, si elles passent à des sociétés sportives, elles peuvent attirer justement ces financements. Mais quand c'est une société, il y a des règles, il y a des lois, il y a des règles, il y a des taxes à payer, il faut avoir des bilans, il faut avoir des chiffres. Et aujourd'hui, quand tu as une association, tu n'es pas forcément obligé Et puis il y a des supporters qui ne payent pas le cadre de supporters et tout ça. À la décharge de ces clubs, ils disent un club, il a besoin de vivre, mais il a besoin pour du merchandising et d'autres choses. Ils ont juste besoin également du vrai soutien, de la vraie participation des supporters. Mais il faut que les supporters soient motivés. On demande au club d'être bien organisé, de bien gérer leurs fonds également. Mais il faut qu'ils soient motivés, il faut qu'il y ait des stades de bonne qualité qui puissent les accueillir. Aux États-Unis, c'est un véritable show. On assiste à des matchs de soccer, le football américain. Le match n'est pas le plus important, c'est tout ce qu'il y a autour, les pom-pom-girls, l'ambiance, exactement, les sucreries, la qualité des infrastructures qui accueillent ces rencontres-là, parce que moi, personnellement, j'ai peur d'aller au stade. Donc la responsabilité de qui? De la fédération, c'est ça? Oui. Donc vous êtes en train de dire que la fédération, pour l'instant, ne fait rien pour attirer les gens au stade? Parce que je sais qu'il y a des artistes que je connais qui ont presté lors des mi-temps. Ils m'ont dit, pendant la mi-temps, il y a des petits shows. C'est déjà pas mal. Ils font ce qu'ils peuvent. Mais
après, ils ont presté devant les gradins vides. Parce que... c'est un travail de la fédération et des clubs, parce que les clubs également doivent rendre aussi leurs joueurs attractifs. Aussi, c'est, parce ça, que c'est ça, c'est ça. Et les images se fabriquent. Exactement. C'est le branding. Il faut créer du branding. Voilà, du branding. Et puis, vraiment, bon, il faut que les cas aussi. Parce que j'ai vu la dernière fois des cas. Si ces cas-là sont vos stats, t'as pas envie d'y aller. Tu as dit le nom des différents clubs. Il faut l'assumer. L'image du car que tu as vu, c'était un car. Non, l'Africa Sport a un nouveau car. Attention. C'est pas le car que vous avez vu qu'on nous a monté sur les réseaux sociaux. Quand on parle de car, le car c'est gros, mais rien que les maillots. Il y a des joueurs qui ont des maillots troués. Il y a des assistants entraînants qui portent des maillots de clubs internationaux. Non, je ne peux pas laisser passer ça. Des joueurs qui ont des maillots troués en Ligue 1 en Côte d'Ivoire, je dis non. Je dis non. Donnez-moi un exemple. Citez-moi un club. C'est pas surtout les maillots de l'ASEC. C'est ce qu'on oublie. Mais bien sûr, parce qu'on les achète encore en ligne. Et heureusement, d'ailleurs, les maillots. J'ai mon maillot. Vous pensez qu'il y a de l'espoir? On termine là-dessus. Vous pensez qu'il y a de l'espoir que les choses. Oui, moi, je pense que les sponsors sont prêts à porter leur contribution au développement du sport local, à accompagner des championnats, à accompagner des équipes, même pourquoi pas. C'est maintenant au club eux-mêmes de se mettre. Et puis certains médias ont commencé à s'intéresser. Qu'est-ce qui fait venir les sponsors? C'est la visibilité. De l'audience. Aujourd'hui, ils ont de la visibilité, ils ont de l'audience, et si tous les médias s'y mettent, bah forcément. Mais il faut une structure professionnelle. Alors, exceptionnellement, on vous propose le micro-trottoir ce soir en présence de nos invités, parce que c'est important pour nous d'avoir votre avis sur ce que vont dire les Ivoiriens qu'on a interrogés. On l'a dit hier, l'association des footballeurs a annoncé qu'elle apportait son soutien au candidat Idriss Diallo dans la course à la présidence. Qu'ont pensé les Ivoiriens que nous avons interrogés? On les regarde. Je suis vraiment, vraiment étonné du fait que ces anciens collègues, ces coéquipiers, où il était capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, n'ont pas soutenu Didier Drogba. Moi, ça m'étonne. Je ne sais pas si c'est de la jalousie, mais comment on peut appeler ça de la sorcellerie? Ce mec qui devait être le premier à les voter, à le soutenir, c'était ses collègues. Moi, personnellement, je pense qu'ils ne sont pas obligés. Parce que chacun a son point de vue. Ce n'est pas parce qu'on a joué ensemble que forcément je vais te soutenir. Ils ont leur manière de voir les choses. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de problème à ça. Didier, bon, il pensait qu'il pouvait tout faire. Donc, ses amis l'ont regardé faire. Voilà, c'est ce que je pense, quoi. Ici, en Afrique, le plus souvent, on ne veut pas voir nos amis nous dépasser, c'est-à-dire, c'est vrai, c'est Drogba. Bon, on a joué avec lui, mais le fait qu'il va occuper un poste plus important, plus supérieur à nous, cela fait que ses amis, bon, je me dis que c'est ce qui fait que ses amis ne l'ont pas soutenu dans sa en griffe, sa future carrière. D'après ce que moi je sais, bon, il y a d'autres qui disent que la Drogba, genre, il ne s'approche pas d'eux comme ça. Et dit, mais attends, mais ça c'est n'importe quoi. Drogba ne s'approche pas de qui? Depuis des années là, on les voit sur les réseaux sociaux, ils ont pris des photos avec Didier Drogba partout. Didier Drogba les a donné non, comme on le dit ici, point. Et on dit, vous allez dire qu'il ne s'approche pas. En fait, c'est son agent, vous voulez. Dites, voilà, là on va comprendre. Je ne peux pas les juger, mais je pense que dans la vie, chacun a son opinion. Ils savent pourquoi ils ne l'ont pas soutenu. Voilà. Peut-être que même ils ont des relations encore plus rapprochées, mieux que l'autre, le camp adverse que Drogba. Bon, la raison voudrait que ses amis le soutiennent. Mais bon, vu qu'ils ne le soutiennent pas, donc ils ne disent pas tout au fait. Il y a beaucoup de choses que les footballeurs nous cachent. Bon, je prends le cas de Maestro. On sait que dans le temps, il y a eu un problème avec Didier Drogba par rapport au problème de Brassard à la sélection. Pour lui, on peut comprendre. Mais Cyril Domoré et autres, vraiment, c'est difficile à comprendre. Elles sont diverses et variées les réactions hein, des Ivoiriens autour de cette question-là. Et pour en parler, nos invités du jour sont des spécialistes du ballon rond. Cyril Domoro, il est président de l'Association des footballeurs ivoiriens, et Goibi Siriac, joueur à Savisport en Turquie. Ils sont avec nous. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors on va commencer tout de suite par le sentiment hein, que vous avez au regard des... lorsque vous suivez ces réactions de téléspectateurs que nous avons interrogés. Cyril Domoro. Le sentiment Sentiment partagé, puisqu'il y a d'autres qui défendent Didier et d'autres qui comprennent la situation et les choix de la fille. Donc pour nous, le plus important, c'était de faire le choix qu'on trouvait juste. Je pense que ce sont des gens qui ne connaissent peut-être pas le foot, mais qui ont des avis divers. Donc après, je
pense que l'AF est une association qui a ses règles et puis les choses ont été faites dans les règles. D'accord. En tout cas, on aura l'occasion d'en parler, hein, de comment ça fonctionne, de pourquoi l'AF a pris une telle décision. On parlait tout à l'heure du football ivoirien. Cyril Demoro, quel regard portez-vous aujourd'hui sur le football ivoirien? Vous avez le sentiment qu'il se porte bien, qu'il se porte mal, l'équipe nationale, les championnats? Je ne dirais pas qu'il se porte mal. Le football ivoirien a régressé. Il est en train de reprendre essayer de reprendre son envol. Voilà pourquoi il y a eu pas mal de remue-ménage ces dernières années. Et je pense qu'avec cette élection, avec l'arrivée, on espère, du président Yacine Idriss Diallo, le football va retrouver son lustre d'antan. Parce qu'à l'époque, il a travaillé, il a permis au football d'avoir des sponsors, de redonner une autre image de l'équipe nationale. Et je pense qu'on espère qu'après le 5 septembre, qu'on aura une autre oui, vision. Si vous partagez le point de vue de Cyril Demoro, vous pensez que ça se passe plutôt bien en ce moment où, j'ai joué dans le championnat, donc je peux dire qu'il y a eu une amélioration. Oui. Il y a eu une amélioration pendant 2-3 ans et après, le football ivoirien est parti un peu en vrille. Et voilà, on espère que les choses vont reprendre comme on le souhaite. D'accord. Oui, okay. Non, mais moi ça me fait plaisir, d'autant plus d'entendre Cyril Demoro dire qu'on espère avec l'avenue du président Yacine Idriss Diallo. J'ai juste envie de me poser la question de savoir à quel moment est-ce que vous avez su que vous donneriez votre voix au président Idriss Diallo, comme vous venez de l'appeler. Vous savez, on a fait un combat pendant 3 ans, et au bout de ce combat-là, on a le président Yacine Idriss Diallo qui m'a convoqué, qui m'a dit qu'il allait peut-être briguer le mandat de la fédération. Et je lui ai dit, nous avons fait un combat. Il serait intéressant que vous alliez, Malick Touré, qui était en tête de liste de GX, et le président Yacine Idriss Diallo, ce serait pour le football ivoirien une bonne chose, parce qu'il a une vision, c'est un monsieur de vision, c'est un monsieur de qualité. Et donc nous, on a épousé son projet, parce que pourquoi, ça veut dire. Oui. Pourquoi tout ce suspense alors? Est-ce que c'est parce que nous ne sommes pas impliqués à l'intérieur de ce qui se passe dans le football? Si les dés étaient déjà jetés, si c'était déjà joué, c'était déjà plié. Jusqu'à hier, pourquoi tout ce suspense? Non, c'était pas jeté. Il nous fallait d'abord, vous savez, la FIS, c'est une structure sérieuse et professionnelle. On a échangé avec le président Idriss Diallo, mais il fallait d'abord l'aval des délégués. Parce qu'on a rencontré les délégués ont rencontré les candidats. Et c'est après la rencontre avec les candidats qu'on a rencontré les délégués à nouveau pour savoir ce que eux, les délégués, ce qu'ils souhaitaient pour la FIE. Et les délégués ont souhaité qu'on puisse aller sur la liste de Yacine Idriss Diallo. Donc, sans l'aval des délégués, ça aurait été compliqué. Rien, s'il y a une question pour vous. Comment expliquez-vous le fait que tout le monde se tourne dans votre association, tout le monde se tourne pour Idriss Diallo et non pas pour le deuxième vice-président de l'association? Quelle est la logique? La logique est très simple. Parce qu'il faut rappeler aux Ivoiriens que Didier Drogba est deuxième vice-président de cette association. Cofondateur de votre association, par la même occasion. Cofondateur. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure qu'on a eu un combat. Et avant ce combat-là, on a approché Didier pour lui dire qu'on avait des soucis vis-à-vis de la Ligue et de la Fédération. Donc il fallait qu'on se batte pour pouvoir défendre les intérêts de nos joueurs. Et on a épousé le projet du GX. Et avant cela, j'ai appelé Didier et les autres, Aruna, Kolo et Jimmy, pour leur dire qu'on va s'engager. Et ils ont donné leur aval pour qu'on s'engage. On s'est engagé pendant 3 ans. Donc c'est la constance qui permet qu'on soit là, qu'on choisisse. Cyril Gouébi, membre de la FI aussi, en tant que joueur? Non. Non, pas du tout. Alors, d'accord avec cette décision de la FI ou, Pourquoi les joueurs désavoués surtout le week-end dernier. L'association des footballeurs ivoiriens, on est d'accord, la définition de la FI. Oui. Les footballeurs ivoiriens. Oui. Pourquoi vous n'adhérez pas à cette association? J'ai pas été contacté, j'ai pas. Ah ouais. Cyril Demoro, pourquoi vous n'avez pas contacté Là, il est là, on va lui poser la question. Pourquoi vous n'avez pas été contacté? Non. Cyriac, il évolue en Europe. Et donc, en Europe, il y a les syndicats. En Europe,
qui s'occupe des joueurs proportionnels à l'international. Mais ceux qui sont adhérents, c'est ceux qui sont en équipe nationale. Donc quand je sais pas la période où Sirac avait venu, je pense qu'il a dû avoir des chargés des relations de la FI qui étaient en contact avec la fédération. Oui, mais voilà. J'ai eu des périodes où j'étais en sélection, voilà, ça, où j'étais pas en sélection, donc voilà. Peut-être que j'ai manqué. Voilà, il a dû manquer. J'ai manqué le passage. C'est les internationaux qui sont adhérents. À la question. Pour revenir à la question, effectivement. Vous êtes d'accord ou pas? Comme je le disais tout à l'heure, la FI est une association très professionnelle avec des règles, comité exécutif et tout ça. Donc, je pense personnellement que les votes ont été faits par rapport aux règles qui sont dans l'association. Donc, moi, en tant que footballeur, je ne peux que m'aligner sur la décision. C'est bien noté. Hein, oui. La question que les Ivoiriens se posent aujourd'hui, de façon très basique, je fais partie d'une association dont je suis le cofondateur. Je suis le deuxième vice-président de cette association. On fait une élection. Quand on sait qu'en plus, pour revenir, Serge, à ce que la FIF Pro, qui est une association à laquelle vous êtes affilié, dit également. C'est la prochaine question. Voilà, disait. Oui. OK, c'est la prochaine question. Nous souhaitons, parce que c'est qu'une recommandation, que les membres footballeurs d'une association, lorsqu'ils se présentent à une élection, soient soutenus. On s'est dit, on fait corps avec ces membres-là. Mais vous, primo, il est cofondateur, il est vice-président, il est. C'est comme si vous rejetez un membre de votre famille. Vous votez pour quelqu'un d'autre. On n'a pas rejeté. Est-ce que vous avez des choses que vous reprochiez avant à Didier Drogba? Parce que on l'a déjà entendu, Didier, il n'assistait pas aux réunions. Qu'est-ce que vous reprochez en fait? Autant le dire en même temps, je pense, parce que c'est ce que tous les Ivoiriens se disent. Oui, exactement. Vous savez, comme on dit, nous on n'a pas de problème avec Didier. On lui a proposé. Non, écoutez-moi. On n'a pas de problème avec Didier. Didier, on a de bons rapports. Mais on a entamé une procédure, vous savez, pendant 3 ans, on s'est battu pour atteindre un objectif. Didier a été appelé. J'ai parlé avec Didier. Lui et moi savons ce qu'on s'est dit. Qu'est-ce que vous avez dit? Non. J'avais demandé à Didier, avant qu'on aille au GX, que nous, footballeurs et certains clubs, que nous mettions à derrière lui. Pour qu'il soit candidat. Didier m'a dit non. Il m'a dit non. Là, qu'est-ce qu'il avançait comme raison quand il disait non? À quelle époque déjà? Il y a 3 ans. Il y a trois ans. Avant qu'on engage la campagne. Et il évoquait quoi comme raison? Pour justifier son refus. Mais qu'il ne se voyait pas partir avec des footballeurs parce qu'il avait eu des soucis en équipe nationale. Nonobstant le fait qu'il soit cofondateur de l'association, il était toujours vice-président. Exactement. Et il ne se voyait pas. Et donc, on a continué dans notre démarche au niveau du GX. Et puis, il y a quelques semaines, je crois, de l'annonce du président Sidi Diallo de ne plus briguer de mandat, j'ai rencontré Didier qui me disait qu'il était candidat. Mais c'était trop tard, puisque nous, on avait avancé. Vous savez, dans la vie. C'est l'émotion qui fait que vous parlez très très bas comme ça, dans la vie? Non, pas du tout, non. D'accord. Dans la vie il faut suivre ses convictions. Et donc, la FI s'est engagée avec des personnes, des présidents de club, des responsables qui nous ont fait confiance. On a même, la FI, à l'époque, sous le GX, avait commencé à travailler sur le projet. Donc, ce n'est pas qu'on ait quelque chose contre Didier, mais on a avancé avec un groupe. Didier est arrivé après. Et on a souhaité qu'il rejoigne le groupe. Et Didier n'a pas souhaité rejoindre le groupe. Je pense que... la liste, il y a Diallo avant que la FI nous donne son vote hier, avait tendu encore la main à Didier. Et moi, j'ai eu à tendre la main à rencontrer Didier à plusieurs reprises en lui demandant de nous rejoindre. Donc, en demandant à quelqu'un de le rejoindre, ça ne veut pas dire que nous sommes comme lui, que nous ne sommes pas contre lui. Voilà. Donc, je pense que la FI a agit selon ses convictions et la FI a fait le vote selon les règles définies. Louis Bissiriac, on sait que le vote des joueurs, enfin les joueurs ne votent pas, mais on a assisté récemment à des ferlandes de vagues de soutien et de réaction des joueurs et surtout de la nouvelle génération dont vous faites partie, en faveur de Didier Drogba.
On est curieux de connaître votre position, parce que de toute façon, il s'agit de votre avenir d'une façon ou d'une autre, hein, puisqu'on parle de l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football. Oui, donc moi je suis tout ce qui est positif, tout ce qui est pour l'avancée du football ivoirien. Donc que ce soit X ou Y, je veux que mes frères qui sont là, parce que moi j'ai commencé là et je suis monté, je suis allé en Europe, et je veux que mes frères qui jouent ici aient plus de visibilité, aient plus de chance de se montrer dans le pays d'Europe. Vous avez eu droit quand même à des programmes, vous a présenté les programmes des différents candidats. Est-ce que vous vous sentez beaucoup plus proche du programme d'un par rapport à ce que vous recherchez comme objectif? Non, j'ai écouté vraiment vite fait les programmes. Enfin, je ne me suis pas mis à fond dans le coup. On va peut-être laisser tomber les programmes, parce qu'il n'a pas vraiment écouté, mais vous avez vécu le championnat ivoirien, vous le connaissez bien. Si on vous demandait aujourd'hui, en tant que joueur de ce championnat-là, même qui évolue en Europe aujourd'hui, de nous dresser un bilan, est-ce qu'il est positif ou il est négatif? Positif ou négatif, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu des moments bien et des moments bas. Et là, je pense que le niveau n'est pas assez élevé. Et on attend tous vraiment que celui qui sera président de la fédération puisse envoyer des choses positives et des ondes positives pour l'évolution du football. Par quelles actions, par exemple? La gérance de tout ce qui est catégorie, le football ivoirien, déjà, parlons pas de l'équipe nationale, parce que l'équipe nationale, il y a des professionnels, il y a des joueurs qui ont déjà peut-être ce qu'ils veulent, mais le football ivoirien en tant que tel doit être plus vu en Afrique. Les joueurs locaux ? Les joueurs locaux, parce que je prends l'exemple de l'Égypte, du Ghana, du Nigeria, c'est des pays où le football, on voit qu'il est quand même développé, il est professionnel. Mais ici, le football, il n'est pas professionnel. Alors, M. Cyril Domoro, en tant que président de l'Association des footballeurs ivoiriens, le football ivoirien, comme le football africain et la plupart des championnats dans le monde, même s'ils ont commencé à reprendre, est à l'arrêt en ce moment. Donc je suppose que les clubs connaissent pas mal de problèmes aujourd'hui, les joueurs également, parce qu'ils ne travaillent plus, on peut dire comme ça. Vous êtes à la tête de cette association des footballeurs ivoiriens. Qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que vous faites pour aider à cette situation? Cette situation, dès les premières heures difficiles que traversent nos footballeurs, avec l'appui de notre sponsor, on a fait un don, on a fait des dons. Et lors de la pré-campagne, il y a un des représentants des footballeurs qui a fait un appel. Et la première personne à avoir réagi, ça a été le candidat Yassine Idriss Diallo, qui a fait un don à l'AFI. Et ce don-là nous a permis de vous venir en aide, de faire un partage équitable au niveau des 38 clubs de Ligue 1, de Ligue 1 et de Ligue 2. C'est vrai que c'était des dons mineurs par rapport à ce qu'un footballeur doit percevoir. Mais on a eu des moments de discussion avec la fédération et la ligue. On attend une aide de la FIFA. Est-ce que vous trouvez normal déjà que ces joueurs-là restent dans de telles conditions sans aide de la fédération directement? On a entendu parler de cette aide de la FIFA qui est à hauteur de 1,5 milliard de dollars, ce qui veut dire que les 211 clubs affiliés, les 211 fédérations affiliées donc à la FIFA vont avoir 1 million de dollars chacune. Oui. Est-ce que on est aujourd'hui avec la fédération que nous avons, est-ce que nous devons forcément attendre cette aide-là qui n'est pas encore arrivée? Pourtant le football ivoirien est arrêté depuis bon nombre de temps. Est-ce qu'on n'a pas nous-mêmes les moyens de venir en aide directement quand on est à la tête de la fédération ivoirienne aux joueurs face à ce genre de crise? Là, je ne peux pas vous répondre parce que ça appartient à la caisse de la fédération. Maintenant, nous, au niveau de la FIFA. Vous attendez un nouveau président. Donc, on parle de la situation factuelle. Et vous avez votre mot à dire sur cette situation. Vous pouvez la critiquer aussi. Le critiquer une fédération qui est en train de partir, je pense que... Vous estimez que ça ne sert à rien du tout? Ça, je pense que ça ne sert à rien. Mais le plus important, c'est la fédération qui viendra, qui mettra les choses en place et qui va... suivre les clubs pour que ces clubs-là puissent respecter les contrats des joueurs. Merci beaucoup. Et payer les salaires des joueurs.
Je vais commencer par Cyril Domoreau. Oui. C'est pas, je ne sais pas si vous attendiez à ce que je dise par Cyril Domoreau. Je vais revenir à la question de la FIF Pro. Ouais. Ils vous ont envoyé un message. Ils vous ont désavoué quasiment. Parce qu'ils ont dit, bon, OK, on a des principes, on a des règles. Vous acceptez l'ensemble des règles. Et quand il s'agit aujourd'hui de suivre une d'entre elles qui dit qu'il faut soutenir un candidat qui fait partie de l'association, vous ne le faites pas. Aujourd'hui, comment vous réagissez à ça? Vous avez fait un peu à votre tête, en fait. On a suivi nos convictions. C'est un reconduit, hein. Ou pas. Ce n'est pas satisfaisant. Oui, d'accord, c'est une réponse. Hein. C'est une réponse. Mais je veux dire, elle est très courte. Vous avez suivi vos convictions. Que disaient ces convictions? Ces convictions disent qu'on a commencé un combat. Et la FIFRO, là, je suis surpris parce que la FIFRO le savait. La FIFRO le savait. Quand on avait entamé un combat, elle a suivi pendant les 3 ans. Et au moment où Didier déclare sa candidature, elle demande qu'on fasse volte-face. Si vous le permettez, Brice, c'est pas encore ma question, mais je pense que c'est le troisième volet légitime de votre question. Ce combat, on l'a entendu au moins 3 fois depuis vos interventions. Ouais. Quel est ce combat? Ce combat, c'était... Et contre qui? C'est contre la fédération, pas contre les personnes de la fédération, mais contre le système de la fédération. Qu'est-ce que vous reprochez à ce système-là? Quatrième volet de ta question. J'irai sur le cinquième. Concernant, je répondrai sur la suite, sur la question concernant la fille. On a plusieurs dossiers qui ont été bloqués. Il y a plusieurs campagnes qui ont été faites pour empêcher la fille d'avoir accès à des clubs. Donc avoir accès à des clubs, c'est avoir accès à nos joueurs. Et donc on ne pouvait pas rester là et sans rien faire. Et quand on l'a combattu, il n'y avait personne d'autre à côté de nous. Donc ceux qui ont décidé de nous accompagner, ceux qui ont cru en nous, nous ont ouvert les portes. Ces personnes-là ont permis qu'on puisse avoir accès aux joueurs. Nous, la FIFRO, c'est le plus important, c'est l'aspect collectif. C'est les joueurs. C'est un projet sur lequel nous sommes partis. C'est de défendre les intérêts des joueurs. Le projet de Didier, c'est un bon projet, mais c'est un projet individuel. Et nous partons sur un projet collectif. Et c'est la majorité du bureau exécutif qui a décidé cela. Donc il y a 3 ans, Didier Drogba refusait de mener avec vous cette lutte. 3 ans après, vous lui rendez l'appareil lorsque vous avez les armes en main? Non, pas du tout, pas du tout. Nous sommes dans la logique des choses. D'accord. Là, vous le gardez tout de même. Mais là, c'est plus de voler, ta question. Ah, c'est ma question. C'est plus le volet. On va fermer la première question. On va pas y aller à 6. Alors, ma question sans joker. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez de très bons rapports avec Didier Drogba. Vous êtes son aîné, que ce soit en sélection comme dans la vie. Aujourd'hui, vous êtes opposé par des idées, mais je pense que vous travaillez tous pour le bien du football ivoirien. Si vous aviez Didier Drogba en face de vous, disons à cette caméra, et que vous deviez le regarder dans les yeux face à la nation, oui. Qu'est-ce que vous lui direz là ce soir? Je lui dirais, tous les Ivoiriens vous écoutent. Je lui dirais Didier, je suis désolé, mais c'est le choix du board qui a primé. Voilà. Vous êtes parlé, deuxième volet de la question de Serge, est-ce que vous êtes parlé depuis que cette décision est tombée? Vous avez appelé Didier, il vous a appelé Non, je lui ai envoyé un mail par rapport à la décision. Et. C'est tout, j'ai pas encore eu Didier au téléphone et j'aurais pas de souci à lui parler. Vous n'avez pas essayé de l'appeler pour lui dire attention Didier, on est en train de vouloir prendre une décision, mais c'est entre amis, vous envoyez des mails. C'est mail officiel qu'on a envoyé. Sachez qu'on a fait une vidéoconférence avant de décider. Vous pensez qu'il vous en veut aujourd'hui? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Goïbi Syriac, vos anciens collègues, donc les joueurs ivoiriens du championnat local, aujourd'hui ont des problèmes parce qu'ils ne travaillent plus, ils ne jouent pas. On a vu ce que la FIFRO, selon son président, a fait comme don. Cette situation, je suppose qu'elle vous touche. Quelles sont les actions que vous menez pour venir en aide à vos confrères? Moi, j'ai des amis qui jouent dans le championnat. Qui vivent actuellement des moments difficiles parce qu'ils n'arrivent pas à être payés, n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Et nous, footballeurs professionnels, comme vous le disiez tout à l'heure, on se dit que la fédération en place avait. Alors, à votre tour, regardez la caméra et parlez au président de la fédération ivoirienne, plaidez la cause de vos confrères. je pense qu'en ce moment, il y a un président. Non. Le comité exécutif est. Alors, parlez au président à venir. À venir.
Bah, président, j'aimerais dans le futur que s'il y a des problèmes comme le problème qu'il y a maintenant, il faut vraiment faire quelque chose pour aider le football ivoirien parce que là, il se retrouve dans une situation vraiment catastrophique. Parce que j'en connais des joueurs qui aujourd'hui voilà, n'ont pas de salaire, n'ont pas un rond. C'est compliqué pour un joueur professionnel en Côte d'Ivoire. Pour un joueur professionnel en Côte d'Ivoire, je pense que c'est pas normal. Justement, voilà pourquoi l'AFI milite pour qu'on puisse mettre un contrat, pas de contrat de saison, mais un contrat sur l'année. Vous militez depuis 3 ans. Est-ce que vous avez vraiment l'impression que votre combat est... vous sentez de l'avancée dans votre combat? On sent de l'avancée. On sent de l'avancée puisque juste après, à la fin du combat, l'AFI est rentré au bureau de la Ligue, justement, pour faire des propositions concernant les joueurs et concernant les contrats standards. Voilà. Alors, Ahmed Ouattara, qui est conseiller auprès du comité directeur de l'AFI, a déclaré qu'il était trop tôt pour que Drogba devienne président de la FIF, car il n'en connaît pas les rouages. Vous avez certainement dû entendre parler de ces rouages. Vous les connaissez? Si oui, quels sont-ils? J'ai entendu parler, mais ça, c'est propos d'Ahmed, il sait de quoi il parlait. Vous en avez entendu parler, vous dites? Exactement. Mais quels sont-ils, ces rouages? Ben, il sait de quoi il parle, Ahmed. Donc, vous aurez l'occasion de l'inviter et il vous dira ce que c'est que le roi. Pour utiliser une expression footballistique, là, vous bottez en touche complètement. Et ça, il savait faire à l'époque sur le terrain. Il a pris un joker. Il a pris un joker. Bon, ouais. D'accord. C'est un joker. Non, ça va rassurer. Ouais, non. Si j'ai répondu. Vous n'avez pas répondu. Mais si j'ai répondu. Est-ce que vous n'avez pas choisi stratégiquement? Oui. Est-ce que stratégiquement vous n'avez pas choisi? Je pense que je vais me référer à un avis de Rihanna pendant qu'on préparait cette émission. Est-ce que vous n'avez pas choisi par stratégie le camp qui semblait c'était pour le vous, mien. C'était le mien d'avis. Ah, c'était votre avis qui allait gagner? Parce que là déjà vous êtes rangé du côté du vainqueur. Au départ, quand on va à une élection, on ne sait pas qui va gagner. C'est comme si on va faire un match et on s'en dit non, on va gagner. Non, on a choisi. Vous savez, Monsieur Idriss Diallo, je l'ai connu. Je l'ai connu en tant que joueur et je l'ai connu en tant qu'homme. Et je connais aussi Malick Touré en tant qu'homme. Et je pense que ces deux personnalités réunies avec une équipe cohérente derrière fera une fédération de qualité, d'hommes sérieux et une fédération ambitieuse. Vous lisez les commentaires, les réactions sur les réseaux sociaux. Le candidat que vous n'avez pas soutenu, Didier Drogba, jouit là-bas d'une très très forte popularité. Est-ce que vous n'avez pas un peu le sentiment, avec votre décision, d'avoir trahi une partie de cette population? Est-ce que ça compte déjà? Justement, si ça compte, vous savez, on a pris une décision et on entend pas mal de choses, des noms d'oiseaux qui volent, mais Pour rebondir sur la question de Brice, on a Copa Barry d'ailleurs qui avait posté sur sa page Facebook, ouais. Et je cite, la trahison est la pire épine que l'on puisse nous planter dans le dos. C'est une trahison finalement ou non? Selon lui. Vous ne pensez pas avoir trahi un des vôtres? Pas du tout. D'accord. C'est vrai que j'avoue que ça passe dans ma tête, ça passe assez difficilement. Moi aussi. Vous Serge, Rihanna sont avec moi sur ce plateau. Ils ont des idées. Il y a quelqu'un qui vient d'ailleurs. Non mais je te promets que moi je vote pour lui. Hein. Si le gars il vient d'ailleurs, moi je vote pour lui, je vote pas pour toi. Si en tout cas ces idées me séduisent. Hein. Exactement. Donc vous êtes dans. Ouais, vous avez dit, même si les membres, vous dites clairement, à beau être membre de l'association des footballeurs, il a un programme. On estime que ce n'est pas suffisant. Je vais. Vous savez, je n'avais pas envie d'aller en profondeur. Bah, allez-y en profondeur parce que c'est ça, ça va intéresser tous les téléspectateurs. Voilà, il faut aller en profondeur. Aujourd'hui, je pense que c'est une occasion qu'on vous offre pour parler aux Ivoiriens. Vous savez, on a participé avant le GX, au programme du GX. On n'a pas participé au programme de Didier Drogba. Didier ne nous a pas approché pour participer à son programme. Donc, quand une personne fait partie d'une association, la première des choses, c'est de venir vers l'association et dire, les gars, je suis candidat, je veux qu'on parte ensemble. Ça n'a pas été fait. C'est donc je, toute personne a ce qu'elle a à dire. Et nous, Haruna, Kolo et moi, Dimi, Haruna et Kolo et moi, avons décidé que on doit respecter la maison dans laquelle on habite. Donc, avant de commencer,
l'association est là. Est-ce que c'est pas une forme de vote sanction? Non, pas du tout, non, pas du tout. Non, mais vous confirmez justement ce qui se dit, notamment sur les réseaux sociaux, de la non-présence de Didier Drogba au sein de cette association, notamment même lorsqu'il était convoqué pour des réunions. Vous savez, je ne vais pas m'étendre sur ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les élections qui vont venir. C'est comment vont être payés nos jeunes frères. C'est ça qui m'intéresse. Le reste, je n'aime pas. Vous étiez en train de le dire, j'ai dit réseaux sociaux pour essayer d'élargir un peu, mais vous étiez en train de le dire, donc allez-y, terminez votre propos. Est-ce que c'est vrai que Didier Drogba n'était pas présent? Didier n'a jamais été présent à la FIE. Didier est venu sur 11 ans, en 11 ans, Didier est venu une fois, et la deuxième fois, Didier m'a rencontré par rapport aux élections. Donc, vous savez, les gens parlent beaucoup, et nous, le plus important, c'est que les élections se passent, et qu'après, le travail que l'AFI souhaite et souhaite mettre en place pour ces joueurs, c'est qu'ils soient mieux rémunérés et qu'ils aient leur contrat qui soit respecté. C'est quoi le niveau de salaire que vous espérez pour les joueurs locaux? Mais on peut espérer beaucoup, mais vous savez, avant de parler d'une base salariale minimum, il faille qu'on puisse se concerter avec les présidents de club, parce qu'il y a les présidents de club et la fédération. Nous, on va souhaiter avoir un salaire minimal, mais sans accord avec les présidents de club et sans que la Ligue et les présidents ne puissent le valider, on ne peut pas l'obtenir. On souhaiterait qu'un footballeur ivoirien touche le minimum de 150 000 francs. Celui qui semblait bien 250 000 francs. Ce qui n'est pas encore fait, Goebi Syriac. Non, pas minimum. Loin de là. À l'époque où vous jouez, c'était loin de là encore? Ouais, c'était loin de là. Les clubs où ça a évolué? Moi, j'étais encore très jeune, à 17 ans, quand j'ai joué à la SEC, j'étais très bas, en tout cas. J'étais loin de 250 000. Ouais, très loin. Les niveaux, vous êtes en train de confirmer qu'à cette époque-là, les niveaux de salaire à la SEC étaient loin de 250 000. Ouais, mais ça dépendait aussi. Il y a eu la période Je pense que ça dépendait des joueurs, de la qualité du joueur. Il y a des joueurs étrangers, il y a des joueurs qui venaient du Ghana, du Nigeria, ils avaient un salaire un peu plus haut. Mais le joueur de base, moi je viens du centre de formation de l'ASEC Mimosa, donc le grand frère peut le confirmer, c'est pas pareil qu'un joueur qui a été transféré. Pourquoi vous battez pour des contrats types désormais? Contrat standard, oui. D'accord. Goebi Syriac, vous étiez très tranquille hein, quand on était en train de poser des questions. Quand on cuisinait, monsieur Doro. Ouais, j'ai une question pour vous. Aujourd'hui, tout le monde dit la FIF doit faire quelque chose, la FIF doit faire quelque chose pour les joueurs qui sont en détresse, c'est difficile. Mais vous, à titre personnel, on s'est dit, chez certains, ça va un peu. Mais qu'est-ce que vous faites à titre personnel pour soutenir un tout petit peu ce que vous pouvez soutenir? En tout cas, comme on dirait, dans la limite du stock disponible, mais vous, dans votre cas, dans ce que vous pouvez faire pour les soutenir, à titre personnel? Je pense que collectivement, on n'a pas, les joueurs professionnels, entre guillemets, on ne s'est pas concerté, on n'en a pas discuté, mais je pense que chacun, par exemple, moi, j'ai des amis qui jouent ici, donc connaissant la situation, j'essaie de discuter avec eux, leur apporter ce que je peux apporter et j'espère que vraiment la plupart des joueurs le font et je pense que la plupart des joueurs le font. Mais ça pourrait être un bon début de réflexion pour les joueurs professionnels ivoiriens qui sont à l'extérieur. Vous devriez, pourquoi pas, vous rencontrer, je ne vous demande pas de vous mettre en association, mais face à ce genre de difficultés que vivent vos collègues que vous laissez ici au pays, venir en aide, mais de façon groupée. Oui, c'est une très très bonne idée. Je me dis que c'est faisable. Ça me dit que c'est faisable. Après, il faut regarder la caméra et lancer la tête. Il aime bien cet exercice-là. Non, il faut un déclencheur. Je vais terminer par cette question-là à Cyril Domoreau. Aujourd'hui, il ne reste que les arbitres. Pour permettre les médecins, pour permettre à Didier Drogba de se présenter. Vous pensez qu'ils vont soutenir Didier Drogba? Je ne sais pas. Vous souhaitez qu'ils le soutiennent? Moi, nous, on a choisi le président Yacine Idriss. Est-ce que vous souhaitez que Didier Drogba soit aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle? Ben, s'il arrive à avoir les clubs et les groupements de terrain, il n'y a pas de souci. Cyril Domoreau, on vous remercie d'avoir été avec nous sur notre plateau. Merci beaucoup, Goebi Syriac. Ryan Assi et Serge Kouachi, ainsi que tous les autres chroniqueurs se joignent à moi, ainsi que toutes les équipes éditoriales et techniques pour vous souhaiter une excellente fin de soirée sur les programmes, en tout cas sur les antennes de Live TV. Prenez soin de vous, Dieu vous garde. À demain.
tcha, 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 tcha.